Joseph a fait un haul collectif qui comprend le Black Friday puis les achats de la dernière semaine. Puis ouais, on va commencer. On va commencer par Naomi. Je fais un arrêt chez Forever 21 parce que non, ils vont faire des 50% à la semaine sur leur rangée de sol. Donc c'est bon, j'ai trouvé un c'est tellement un grand Forever 21. Un coroulis noir, mais Forever 21 a le don de mettre des slogans malaisants sur le. Genre, c'est écrit Teenage Dream dessus. Donc, mais je peux pas quelque chose avec ça. C'était genre 5$ en fait. Je perds rien. C'était un bon deal. Moi, je suis allée dans un magasin vraiment random, asiatique. C'est, le magasin s'appelle Pierre Miamix. Puis c'est un chandail en laine style Bernie Melville. Mais bon, il a coûté 30$. C'est quand même pas cher pour un chandail de même. Après, moi aussi, je suis allée au travail. Un peu après, je suis allée dans un autre endroit dans le monde. Je pense que c'est Chaco. Chaco, la boutique. Ah, ouais. Genre, c'est juste un coroulis noir en fait. Il y avait 40% de rabais sur leur section magasin, donc je pense que c'est un bon deal. Je pense qu'il est mort 40$ au début, là, mais je l'ai payé. Bon deal. Moi, je suis allée à Éditorial. Ouais, je suis allée à Éditorial puis j'ai acheté ce chapeau. Il est vraiment confortable. Il est beau en plus, c'est féminin la couleur. Yay. Après, je suis allée à... Ah, puis by the way, Éditorial avec 40% de rabais. C'est un bon deal. Je suis allée chez Randy Nardell parce que l'originalité n'était pas présente. Donc j'ai acheté une jupe. Juste une jupe à carreaux. Mais on peut pas vraiment voir de loin, c'est ça. Ok, il y avait 15% de sol, ce qui est pas génial, mais. Pour un magasin qui fait jamais de sol, c'est pas cité. Sinon, j'ai. Je pense que ça s'appelle le Piper Hoodie. Je l'ai acheté juste avant le Black Friday. Puis au Black Friday, il était là à 15%, donc j'étais pas très contente. Mais. What can you do? Donc c'est ça, c'est juste un hoodie là. Avec un hood. Un plein de points de chien. Struggle with navigation. Puis des pantalons rayés. Mais ceux-là, c'est très répandu, donc je suis pas trop sûre si je vais les garder, je sais pas trop. Juste pour t'en rayer comme ça. Ouais, je vois plein de monde qui part. Ça va. I mean, je suis un creepy shirt. Puis une boîte. Que c'est. Puis moi, je suis allée au Top Shop. J'ai eu un sac à Babyton parce que tu vois Top Shop et la Babyton qui est ensemble. Puis j'ai acheté un jeans. Il est quand même vraiment beau. C'est un jeans genre noir avec des détails ici. C'est des beaux détails. Oui, moi j'aime ça. J'aime la couleur en plus. Le noir peut tout matcher. Puis aussi, j'ai aussi acheté un foulard. Ça peut matcher avec la couleur de mon manteau. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté. Puis j'ai aussi acheté un chandail en laine, genre off the shoulder. J'ai mis un photoshoot, puis c'est full de beau. Genre le rose. J'aime la couleur. En plus, c'est chaud quand tu le portes. Pour l'hiver. Donc, ensuite, je suis allée à Garage. Ça, c'est un affaire que je savais pas. Mais en fait, ce que je trouvais beau, il n'y avait pas vraiment de sol dessus. Donc, c'est juste ça. C'est des shorts en velours. Parce que j'en voulais depuis longtemps, mais il n'y avait pas. Parce que je sais pas pourquoi il y a ça pendant l'hiver. Il y a l'air mieux. Mais je pense que j'avais. Je pense qu'il y avait 10% parce que quand t'étais membre, t'avais 10% pour cette journée-là. Donc, c'est ça. Puis, moi, je suis allée au Levi's. Je me suis acheté mon premier jeans Levi's. Ouais, je suis très enfantin. Puis c'est un jean genre skinny là, qui est vraiment genre simple. Et c'est un petit peu. J'ai aussi acheté ça en fait. C'est une sorte de gros coton. Il est vraiment très très grand. Ça peut être une robe même, en plus je suis grande. Je pense que ça vient de UNIF. Donc c'est ça. Puis aussi j'ai commandé en ligne une chemise. Le site s'appelle Yester. Puis c'est une chemise genre qui vient de la Corée du Sud. Vous voyez, j'aime vraiment la K-pop, alors là j'ai aussi acheté une chemise. J'aime bien la couleur, c'est off the shoulder. Why not? Comme vous l'avez compris, on m'a amené chez Winners, que c'est pas cher. Donc, on m'a pas acheté des affaires avec elle. Donc moi, juste avant les trucs que j'ai besoin, j'avais marché des chaussettes all the time, you know. Donc c'est drôle là. Wow. Tu sais, les chaussettes toutes douces là. Ah ouais. J'ai déjà parti, j'ai juste ça de. Je suis pas expert. Puis ça vient pas vraiment de Winners, mais c'est le truc que j'ai acheté, c'est une boîte Calvin Klein noire.
Puis j'en ai lu genre aussi. Fait que. Fait que je me suis acheté un plein de boulet de même. Puis j'ai acheté sur Instagram, c'est Helping Cool. Je sais plus. Donc c'est pour le panier de Noël du collège en Eul. Puis le panier de Noël, c'est pour aider les pauvres à avoir un cadeau quand c'est Noël. Puis ouais, c'est pour une bonne cause. Yes. c'est ça. Notre vidéo est peut-être pas parfaite parce que c'est notre première vidéo sur YouTube, donc on n'est pas encore professionnel, mais on va s'améliorer avec le temps. Et je pense que c'est ça. Merci d'avoir regardé. Puis on va essayer de linker les vêtements à la barre d'infos, mais on n'est pas sûr si on va pouvoir tout mettre, s'il y en a qu'on n'a pas vraiment trouvé. Mais c'est ça. Abonnez-vous! Bye!